Bonjour à tous les élèves de la classe française et Madame Wilkinson. Aujourd'hui, je cuisine le steak français de ma famille. Cette recette est de ma grand-mère française. Elle est franco-mauricienne et c'est le repas préféré de mon père. Les ingrédients du steak sont 1 livre de beefsteak de flanc, 2 oignons, du sel et du poivre. Les ingrédients de la sauce sont 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à café de sauce Worcestershire, 2 cuillères à café de vinaigre, 1 quart de cuillère à café de moutarde sèche, 1 demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de sucre et un peu d'eau. Ce repas est facile à préparer. Il prend 20 minutes. D'abord, je me lave mes mains. Pour commencer, je coupe le steak en pièces. Ensuite, je fais fondre le beurre pour couvrir le plat. Et je mets les pièces dans le plat. Alors, je saupoudre de sel et de poivre. Maintenant, je coupe les 2 oignons. Je couche les oignons sur les steaks. Voici la première part complète. Maintenant, la sauce. Voici 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à café de sauce Worcestershire, 2 cuillères à café de vinaigre en quart cuillère à café de moutarde sèche, une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de sucre. Je mélange les ingrédients à une pâte.
Ensuite, je verse sur la steak. C'est magnifique! Je mets au four et cuis à 350 degrés pour 2 heures. Pendant la cuisson, je parle de ma famille. Les côtes de mon père dans la famille a une longue histoire de noblesse française. Ma famille est issue de deux anciennes familles nobles françaises, Jublot-Ducray et Boucher de Boucherville. Au fil des siècles, ils sont allés de la France au Québec, à Maurice et se sont trouvés en Afrique du Sud où ma mère et mon père ont grandi. Ma grand-mère, qui a écrit cette recette, était en Jublot-Ducray. Oh mon Dieu, le steak est fini. Voilà. Ça, c'est mon père. C'est délicieux. Merci beaucoup. Au revoir.